سيقول في هذه الندوة الصحفية بعد الفوز بالثمانية على منتخب جيبوتي مع المكلف بالإعلام وأيضا لاعب الميلان إسماعيل بن ناصر في هذه الندوة الصحفية أنقلكم لها مباشرة للحديث على ما بعد. عليكم السلام. بونسيرا. دونك ريستون فوتبول سي فوبلي. با دو كيستيون اور اور سوجي. اي جو دون لا بارول. تفضل. اي بيان سور لي تيليفون. Bonsoir coach, bonsoir Ismaël Benassa. Déjà, félicitations pour cette victoire. Abdoul Mehdaoui, Jean-Yssel Haye TV. Une question par rapport à la prestation de vos joueurs. Comment vous avez trouvé vos joueurs durant ce match? Et une deuxième question par rapport à Islam Slimani, qui a fait un très bon match, 4 buts, toujours avec l'envie, une combativité et toujours serein dans ces matchs-là. Merci. Que dire après... un démarrage comme ça, contre une équipe, on le savait, avec tous mes respects, entre guillemets, modeste. Mais encore faut-il faire le travail. J'ai donné avant ce match-là, j'ai donné des résultats déjà d'équipes, que ce soit en Afrique ou dans les qualifications Coupe du Monde, zone Europe. Déjà des résultats de grosses équipes contre des équipes d'un autre niveau, et c'est des résultats qui font des fois qui sont limites. Pour parler par exemple, si on considère que le Gabon est meilleur que la Libye, 2-1 pour la Libye, une petite victoire du Mali contre le Rwanda, une victoire un petit peu à l'arrache, un petit peu du Sénégal contre je sais plus c'était qui le Sénégal, Togo. L'Égypte 1-0 contre l'Angola à domicile. Bon, bref, en Europe aussi on peut en parler. Portugal contre l'Irlande 2-1. L'exploit de Cristiano Ronaldo sur la fin. Bref, c'est les matchs, c'est le football mondial comme ça. Il faut faire attention, il faut faire le travail. Il faut prendre au sérieux toutes les équipes. Les 3 points qui ont été disputés aujourd'hui seront les mêmes que ceux contre le Burkina Faso, avec certainement une équipe... plus forte, avec une plus grosse adversité, mais c'est les mêmes 3 points. Donc il fallait faire le travail, les joueurs ont fait le boulot, donc ils ont été très attentifs, très concentrés. Pas très grosse surprise sur ça, mais bon, on fait toujours attention. Ils ont répondu présent à tout ce qu'on a pu demander, tout ce qu'on a pu déjà préparer et travailler contre cette équipe. Pour ce qui est d'Islam, il est dans la continuité de tout ce qu'il a toujours fait en équipe nationale. Investissement, gros investissement, combativité, envie, voilà, toujours présent pour l'équipe nationale. Il répond présent quand on fait appel à lui, que ce soit pour démarrer un match, pour soit rentrer, ne pas rentrer. Il y a eu des matchs comme ça. Attitude exemplaire, je l'ai souvent cité. Si beaucoup de joueurs suivaient son attitude, je suis sûr qu'il ferait de meilleures carrières. Je parle par exemple plus particulièrement de ces joueurs qui viennent du championnat local, championnat national, et qui, voilà, qui s'exportent. Voilà. C'est un bon exemple à suivre. Il mérite ce qui lui arrive, pourvu que ça dure. Abdelrani. Salam alaikum coach. Abdelrani, l'Ida al-Jazairia. هل انت دائما تقول باللي لازم نحترم المنافس مهما كان كبير صغير 8-0 بالنسبه لك يعني نقولوا اليوم احترمنا منتخب جيبوتي لانه سير بابي ما معقول انه الفريق الجزائري هو كان مرشح واليوم شفنا في المقابله انه كان فيه فرق يعني كبير في الميدان بيننا وبين هل بالنسبه لك 8-0 كان احترام المنتخب جيبوتي وشفنا لاعبين كانوا في الاحتياط هل نتوقعوا في الماتش الجاي نهار 7 ان شاء الله انه فيه لاعبين راح يكونوا مقارنة يعني بالادفيرسير اللي هو بوركينا فاسو اللي راح يكون بالتاكيد يعني منافس اقوى كثير من منتخب جيبوتي. Pour la deuxième question, ما نجمش نقول لك شنو باغي ندير المباراة الجاية مع البوركينا فاسو. هادي لازم تعرفوها. ديجا جي بليزيور فوا ريبوندي سور سا نو بلان نو بلانيفيكاسيون. Moi j'aime regarder les conférences de presse des uns des autres المدربين الاخرين parce que souvent il y a des enseignements à prendre. Donc on fait attention à notre communication, surtout avant les matchs. Les programmes que nous avons, ou
ce qu'on a préparé pour le prochain match, ça restera chez nous. Inch'Allah, on choufou, on en reparlera après, après le match du Burkina. Pour ce qui est voilà, la manière de respecter l'adversaire, l'entraîneur adverse est venu me voir et m'a dit Galé, choukran, ala l'ihtiram. Voilà, c'est la meilleure manière de respecter l'adversaire, c'est d'être très sérieux, de préparer le match comme il se doit, de faire attention à tout et de venir avec l'engagement qu'il faut. Voilà, tout simplement. Bonsoir coach Belmadji, bonsoir Ismaël Benacer, j'aurais une question pour chacun d'entre vous. D'abord Ismaël, tu marques ton retour en équipe nationale après une petite période d'indisponibilité liée à une blessure. Quelles sont tes sensations de retrouver le groupe, surtout dans ces conditions-là? Est-ce que physiquement tu t'es senti à l'aise, et notamment dans cette évolution tactique du 4-4-2 où tu as formé une nouvelle paire avec Ramiz et Rocky? Et pour le coach, ma question est justement liée à ce sujet-là. Peut-être écarte-le le ouais. Micro. Ouais, ouais, l'écarter. Ouais. Ma question est liée à ce sujet-là. Ça fait quelques matchs, effectivement, que vous parliez d'évolution, de flexibilité tactique, de changement que vous êtes en train d'amener. Est-ce que vous trouvez que votre équipe trouve vraiment plus de repères et plus à l'aise dans ce système avec deux milieux et une nouvelle paire qui a été formée avec Ismaël et Ramiz? Merci. Salam alaikum. Je suis très heureux d'être retourné en équipe nationale. Comme toujours, c'est un honneur d'être ici et de faire partie de cette équipe. Physiquement, je vais beaucoup mieux, alhamdoulilah. Et j'essaye de retrouver mon niveau pour aider au mieux l'équipe. Et voilà, rien d'autre. D'avoir de la flexibilité, d'avoir des différents systèmes tactiques, c'est évidemment une option en plus, et c'est une cartouche en plus pour un entraîneur. Ça, les choses se font avec le temps. D'abord trouver une stabilité, d'abord trouver un fond de jeu, un système qui nous convient, mettre les joueurs dans les meilleures dispositions tactiques. Ensuite, quand on peut doubler, tripler, avoir plusieurs systèmes, en fonction de la problématique de l'adversaire, en fonction de nous, ce que l'on veut mettre en place, évidemment que c'est une plus-value. Encore faut-il avoir les joueurs pour ça, encore faut-il avoir le temps pour ça. Mettre en place un dispositif tactique où tout le monde se sent à l'aise et tout le monde donne sa pleine. Voilà, qui peuvent être dans les conditions idéal pour performer, ça prend un peu de temps. Alhamdoulilah, j'en suis à ma troisième année avec cette sélection. Les choses vont bon train, on commence à devenir. Je pense qu'on a déjà montré qu'on était performant, mais il y a encore des moyens d'être encore plus fort et d'être plus imprévisible, notamment les différents systèmes tactiques que l'on peut mettre en place. Bonsoir coach, bonsoir Smaïl. Coach, une nouvelle victoire et une large victoire, 8 buts à 0, ça fait, ça reste, cette victoire demeure la plus large de l'histoire de l'équipe nationale en match officiel, donc un nouveau, on peut dire, exploit réalisé par votre équipe et par vous-même aussi. À la mi-temps, si on doit parler un petit peu, l'équipe nationale menée au score déjà largement, quel a été votre discours envers les joueurs? Est-ce qu'il fallait justement respecter encore plus cette équipe et marquer le plus, histoire de marquer l'histoire de cette sélection? Comment avez-vous, ou bien pouvez-vous encore motiver vos joueurs après, disons, une première mi-temps déjà bien maîtrisée? Et une question à Ismaël par rapport au match de mardi, ça sera sans doute un adversaire d'un autre calibre. Comment se présente pour vous en tant que joueur justement cette partie? On sait très bien que le Burkina Faso c'est pas le Djibouti, et voilà, aujourd'hui on a une belle victoire et maintenant c'est à nous de tout faire pour récupérer et de s'entraîner au mieux pour préparer au mieux le match de mardi. Et écouter attentivement les consignes du coach
et être prêt pour mardi. C'est tout un état d'esprit qui règne dans cette équipe. Je l'ai souvent mis en avant, une fois de plus ce soir. J'avais pas de crainte de ce côté sur l'aspect de l'implication totale et de leur dire que le stade est peut-être vide, on est peut-être au mois de septembre, le climat, voilà, vous avez tous pu voir, il y avait de l'humidité ce soir, le climat était lourd, le terrain n'était pas... le terrain qu'on attend pour une qualification de Coupe du Monde. C'était pas celui du mois de juin. Tous les éléments pouvaient être, c'est le début de saison, tous les éléments pouvaient être réunis pour faire une contre-performance surprise. Il y avait tous les petits pièges ici et là. Donc, ils ont l'état d'esprit qu'il faut. Ils sont toujours à chaque fois déterminés. Cette série d'invincibilité de 28 matchs aujourd'hui, elle n'est pas là pour rien. C'est parce que les joueurs savent à chaque fois se remettre en question, que ce soit des matchs officiels, qualification Coupe du Monde pour ce coup, qualification Coupe d'Afrique, des matchs officiels ou des matchs qu'on appelle des matchs amicaux ou de préparation, je les appelle plutôt. Tous les matchs sont importants pour nous. Tous les matchs sont une opportunité de progresser, d'évoluer, donner la chance à certains de laisser montrer leur qualité, de pouvoir avoir du temps de jeu, de concerner tout le monde. Donc ça on n'est pas surpris. À la mi-temps, il y avait une ou deux choses à revoir, mais sans faire de la fine bouche. D'ailleurs, c'est le terme que j'ai utilisé. On va pas faire la fine bouche. 4-0 à la mi-temps, tu vas pas commencer à raconter des bêtises. J'ai affaire à des professionnels, des gens aguerris, des joueurs aguerris. Ils savent ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien. Il y avait un ou deux points sur lesquels j'ai insisté et sur lesquels il fallait être sûr de bien réaliser en deuxième mi-temps. Ça a été le cas. Ils étaient pleinement concernés. Ils savaient que il n'y avait pas une euphorie plus que ça à la mi-temps. Les gars savent qu'ils sont en train de faire le travail, puisqu'on n'avait fait que 50% du travail, et qu'ils ont envie de bien le terminer, bien le faire, corriger un ou deux choses, donner du temps de jeu aussi à ceux qui le méritent. Et cet aspect de compétition et de concurrence interne est très très important pour nous, parce que je vous dis aujourd'hui. On a atteint un tel niveau entre nous dans ce groupe où c'est pas aussi aisé ou simple de sortir un 11 comme ça tout simplement. Même si ça a l'air des fois de ressembler, on n'est pas là pour faire changer au fur et à mesure. Oui, cette équipe-là, mets l'équipe B. J'ai pas d'équipe B chez moi. Il n'y a pas de remplaçant chez moi. Il n'y a que des joueurs concernés. Je mets l'équipe pour gagner les matchs. Je sais que si j'en mets d'autres, je sais que je peux gagner aussi les matchs. Mais bon, il y a toute une planification aussi. Il y a ce match-là en vue du match du Burkina. Donc avec plein d'éléments que je prends en compte et sur lesquels bon, je ne peux pas trop communiquer là-dessus. Mais voilà, les joueurs savent ce qu'ils font, savent pourquoi ils sont là, ils ont envie de performer, ils ont envie d'aller à la Coupe du Monde tout simplement. Zine Amer, après vous ramenez le micro ici. Bonsoir tout le monde. Alors Zine Amer, Radio Chaîne 3. Alors une question pour vous, coach, c'est concernant, vous avez parlé de tout le groupe, vous avez fait une large revue d'effectifs en seconde période. Est-ce que c'est en vue du prochain match face au Burkina Faso qui notamment sera, on va dire, déterminant, vu que le Burkina Faso aujourd'hui a battu le Niger? Et puis, une autre question concernant quelques aspects lors du match. Et on a constaté des combinaisons sur balles arrêtées, notamment sur corner, où il y avait une certaine manière de les jouer. Est-ce que c'est également des options que vous êtes en train d'appliquer en vue des prochaines échéances? Et je terminerai avec Zerouki, qui aura été monstrueux ce soir. Est-ce que c'est le joueur auquel vous vous attendiez, surtout au milieu de terrain? Aujourd'hui, il s'affirme avec une belle prestation et un but à la clé. Merci. Je vais commencer par la dernière question. Ça n'a pas toujours été le cas pour Zerouki. Premier match, j'ai entendu beaucoup de choses sur lui. On a souvent cette tendance, je ne parle pas de vous, hein, je parle de l'ensemble de la presse, voilà, qui s'est... des mots pas très sympas pour un joueur qui venait d'arriver. Bon, le plus important, c'est que nous, on a des convictions, on sait à qui on a affaire, on sait ce qu'on fait, on sait qu'on l'avait observé
pendant longtemps, on ne prend pas les joueurs comme ça, la première ou deuxième performance, ou parce qu'il est algérien tout simplement et qu'il joue dans une équipe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'équipe nationale, ça se respecte. Donc on sait, on sait un petit peu ce qu'on fait. Il va prendre de plus en plus de plus en plus d'assurance et voilà, au contact de ses partenaires, développer encore plus d'acuité, de relations, d'automatisme avec eux. Donc ça prend encore un petit peu de temps. Il en est, je crois, quatrième, cinquième match, quelque chose comme ça. On n'est pas dépassé les cinq matchs, je pense pas. Donc c'est déjà très bien. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a une belle culture tactique. Il a été formé à l'Ajax d'Amsterdam. Donc c'est déjà un avantage. On parle le même langage, il comprend. Quand je dis langage, c'est le langage footballistique. Le reste, c'est pas très important. Ensuite, donc ça c'était pour Zerouki. Vous avez d'autres questions sur le Burkina. Revue d'effectifs pour le Burkina. Je peux vous répondre en disant que ce qui est sûr, c'est qu'il y a évidemment, on avait aujourd'hui la possibilité, on pouvait se permettre de jouer ce match-là et d'avoir quand même la tête un petit peu sur le, en tout cas les calculs et le plan qu'on va mettre en place contre le Burkina en même temps. Donc utiliser ce match-là peut-être pour l'autre match. Après, rentrer dans les détails, je peux pas vous donner ces éléments-là. Mais certes qu'il y avait une relation, on jouait aujourd'hui et je pensais au prochain match. Avant le match, j'avais déjà ça. Le football n'est pas une science exacte, comme j'ai expliqué aux joueurs, mais si on met tous les éléments qu'il faut, à un moment donné, la force et on le savait aujourd'hui, la qualité des joueurs, la qualité de cette équipe-là était du côté de l'Algérie. Et si on faisait le nécessaire et si on mettait tous les éléments de notre côté, on était sûr du résultat. C'est pas de la prétention, c'est à un moment donné, je vous dis, le football n'est pas une science exacte, mais quand on fait tout ce qu'il faut, ça le devient. En tout cas, on se rapproche d'un truc. Donc aujourd'hui, tout a été fait dans ce sens-là. On a la tête maintenant au Burkina et on va se préparer pour ça. Il y avait une première question, je crois. Les combinaisons sont plus arrêtées. On a bien vu qu'ils mettaient la majorité, c'est assez facile à analyser. Sans manquer de respect à l'entraîneur de Djibouti. L'ensemble des joueurs étaient dans leur surface de réparation, donc il y avait largement la possibilité de faire des combinaisons et des corners ou des coups francs indirects, chose qu'on a fait. Ouais. Très bien. Bonsoir coach. Bonsoir Benassar. Coach, vous aviez deux craintes avant le. Et la seconde par rapport à l'arbitrage. Comment vous avez trouvé l'un et l'autre ce soir? Pour l'arbitrage, il va falloir que je me modère. J'aurais aimé que Djamel n'ait pas de carton jaune. Voilà. Ça, j'aurais aimé. Et c'était possible. Donc à vous de le transmettre comme vous voulez. Je pense que c'était possible qu'il n'ait pas ce carton jaune sur ce match-là. Et voilà, dans l'ensemble, on fait avec. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ça me convient. Ça nous convient. Peut-être la pelouse, les polémiques, moi je ne suis pas là pour faire des polémiques. Je suis là pour constater. Quand j'entends un responsable se précipiter sur les premières caméras ou les premiers micros tendus pour dire que non, finalement, la pelouse, elle est très bien. Bah, si lui, il estime qu'une pelouse comme ça, c'est très bien, bah, allez demander aux joueurs, tout simplement. Bah, y a un joueur qui est ici, demandez-lui. Pour un match de qualification de Coupe du Monde, quand au mois de juin, on a une pelouse, je l'ai dit quand le travail a été fait, ils n'ont pas compris qu'il y avait une constance, en fait. Ceux qui, si vous voulez relancer la polémique, c'est ça le truc. Moi, je ne suis pas là pour ça, mais je suis là pour expliquer. Il y a une constance dans le truc, je n'ai pas leur expliqué leur travail, mais il y a une constance dans le truc. C'est de bien faire pour que la pelouse soit bien au mois de juin, ce n'est pas suffisant. C'est bien faire pour que la pelouse soit bien tout le temps des qualifications de Coupe du Monde, surtout quand il n'y a pas de matchs qui sont joués là-dessus, entre trucs. Ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas de matchs qui sont qualifiés. Donc on a tout le temps de bien travailler. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse truc, aller voir des spécialistes. Vous allez tout trouver sur YouTube ou sur Google, vous trouvez tout aujourd'hui. Tout le monde peut être expert de tout, juste sur Google. Donc vous allez voir que même s'il y a des intempéries, même s'il fait chaud, même s'il y a tout ce que tu veux, si tu l'entretiens quotidiennement, tu as la pelouse qu'il faut. Peut-être pas parfaite.
parfaite, peut-être pas la même que celle du mois de juin, parce qu'elle était vraiment très très belle, très très bien celle du mois de juin, mais tu as une pelouse autre que ça. Donc tout le monde prend ses responsabilités, au lieu d'aller faire des polémiques pour aller trouver des fausses excuses, des portes ouvertes, quand les choses sont d'une évidence implacable, donc il n'y a pas besoin d'en parler. Je ne suis pas là pour les polémiques, qui se mettent au travail, qui fassent en sorte que l'équipe nationale, quand elle joue à domicile, elle joue dans une pelouse de qualité. Tout simplement. Aussi simple que ça, il y a combien ? 3 matchs, Inch'Allah, 4 avec le match de barrage, 4 matchs en 5 mois ou en 6 mois. Ce n'est pas la mer à boire quand même. Salam alaikum, Karim Shahir, من قناة الشروق نيوز. Coach, كيفاش تقيم أداء بغداد بونجاح في مباراة اليوم ? Très bon match. شفناش قدام الوجه المعتاد في المباريات السابقه. لعب مليح. كوش السلام عليكم. حمزه فرلا على غازي دوفينك. اسكو بارابور ا فوت ادفيرسير اليوم بارابور ا لادفيرسير اسكو فو تروفي با que l'adversaire, le fait qu'il se retrouve à 10, Lyon, est-ce que ça n'a pas un peu perturbé votre travail, Lyon ? Parce qu'on a vu un peu leur bloc à 5 un peu avancé, et l'équipe un peu qui pressait, qui gênait un peu peut-être la relance. Est-ce que ça vous dérange pas le fait qu'ils ont été à 10 un peu tôt ? Vous connaissez ce principe de quand on perd un joueur, l'équipe adverse est plus difficile à jouer ? Aujourd'hui, moi, j'aurais préféré pas qu'il mérite d'être, de finir à, de, d'être à 10. Il y a des décisions qui sont claires. Aujourd'hui, elles étaient claires, les décisions. Mais à la limite, moi, j'aurais préféré qu'ils viennent nous presser aucun, okay, et puis laisser des espaces derrière. Ça aurait peut-être été peut-être encore plus. Le score aurait été peut-être plus lourd. Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'ils étaient à 10 que ça nous a facilité les choses. Des fois, c'est le contraire. C'est souvent le contraire, des fois, d'ailleurs. Parce que bon, on avait déjà analysé, et puis entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire, il y a une grande différence. Venir presser haut et tout ça aujourd'hui, c'est risqué. Même les grandes équipes, qui ont cette philosophie de jeu, ou même c'est comme carrément une institution de venir presser haut et tout, il y en a très très peu qui continuent à faire ça. Alors quand tu maîtrises pas cet aspect-là et quand tu n'as pas les qualités pour ou que tu n'as pas les joueurs pour, faut faire attention. Donc à la limite, moi les 5-10 premières minutes de jeu, oublier qu'au bout de 4 minutes il y avait déjà 1-0, revenir nous presser, bah, écoutez, ça aurait peut-être plus arrangé. Donc voilà. Bon, après on pourra jamais savoir en finissant à 11 ou finissant à 10, on n'aurait jamais pu savoir quel aurait été le résultat. Bon, en tous les cas. Ça ne nous posait pas de problème, parce que c'était déjà, il y avait déjà une idée, s'ils restaient derrière, s'ils venaient nous chercher, là où on allait les attaquer, là où on allait sortir le ballon, il y avait toute une préparation par rapport à ça. Allez-y. Bonsoir Jamal, bonsoir Ismaël. Chafir Saïh, Badil TV. Coach, vous avez maintenant 3 ans à la tête des Verts. Vous avez confronté plusieurs équipes africaines de différents niveaux, certainement. Coach, ma question est, quelle idée vous faites maintenant sur le football africain ? Est-ce qu'on peut parler d'une philosophie propre du football africain ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une philosophie propre du football africain. Ce que je peux dire, c'est que le niveau, c'est vraiment très rapproché. Bon, aujourd'hui, c'est un peu bizarre de parler de ça quand on vient et qu'il y a un score lourd comme celui-là. Je ne parle pas d'une équipe comme le Djibouti, mais c'est une équipe qui a passé un tour préliminaire pour aller et qui se sont qualifiés de manière historique dans un groupe de qualification de Coupe du Monde. Donc peut-être pas pour eux, ou 3-4 équipes comme ça, mais de manière générale, je vous dis, regardez les résultats, il y a peu de marge, il y a peu de différence, même des soi-disant petites équipes. Vous avez vu le Mali qui est venu nous poser des problèmes ici, des gros problèmes ici, notamment sa première mi-temps. On se dit qu'un Mali contre Rwanda, un Mali-Rwanda à domicile, avec tout, ils ont la plupart des joueurs, ils ont 20 joueurs qui jouent en Europe,
pourrait finir pour un résultat au moins de 3 à 4 buts de différence. Ça finit à 1-0. Égypte contre l'Angola. L'Angola, tous leurs joueurs sont tous dans le championnat angolais. C'est peut-être pas le la majorité en tous les cas. C'est peut-être pas le meilleur championnat du monde. Ça finit par 1-0 en Égypte. Donc vous voyez que le niveau s'est vraiment resserré sur la majorité du continent africain. Et ça, c'est pas évident. Après, pour les plus grosses équipes, je vais parler des plus grosses équipes, parce que je vous ai parlé des petites équipes qui travaillent, qui bossent et qui arrivent à accrocher les plus gros cylindrés ou le top 10 africain. Après, pour les plus grosses équipes, elles sont composées essentiellement de joueurs qui jouent en Europe. Donc ils arrivent avec leur bagage de footballeurs européens, souvent ils ont été formés en Europe, et voilà, on a des joueurs qui comprennent toutes les dispositions tactiques, physiquement prêts, voilà, c'est plus des footballeurs européens que des footballeurs, ce qu'on appelle des footballeurs africains. Beaucoup de joueurs africains maintenant s'exportent, et vous regardez toutes les grosses sélections sont composées d'essentiellement de joueurs qui jouent en Europe, par deux ou trois, et donc ça fait que c'est des équipes qui maîtrisent tous les aspects tactiques, physiques, le talent, talent individuel, des coachs aussi qui sont à la page, qui savent voilà les dernières je sais pas philosophies ou dernières sorties tactiques. On voit beaucoup maintenant d'équipes qui jouent dans des défenses à 3, c'est un peu ce qui se passe en Europe, tout le monde suit un petit peu. Voilà, donc ça fait que les équipes sont assez redoutables, et faut prendre tout le monde au sérieux, il faut faire très très attention et bien être bien prêt. Une dernière, les deux dernières, Tariq, essaye. Bonsoir tout le monde. Question pour Smaïl. Quelle est votre ambition cette année après un arrêt à cause de la blessure et vous retrouvez maintenant les terrains? Quelle est votre ambition durant toute cette saison, soit avec l'équipe nationale ou avec votre équipe? Une question pour le coach. C'est par rapport au geste de Riyad Mahrez, qu'on connaît qu'il est le premier tireur, je pense, des pénalties. Il a laissé le Slimani et puis Bounjah. Un mot sur ce geste de capitaine Riyad Mahrez. Hagro. Parce que c'est Riyad Mahrez, il va prendre les pénalties, il va tout prendre. Il peut marquer sans pénalty en tout cas. Non, mais c'est un geste de classe. Riyad, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est quelqu'un de vraiment un capitaine exemplaire sur tous ces aspects-là. Il est là, il est très facile, c'est très facile à convaincre. C'est lui qui est désigné pour tirer le pénalty, mais il sait que voilà, Islam est. Il comprend aussi le feeling des attaquants, des buteurs. Ils ont besoin de se mettre en confiance, ils ont besoin de trucs. Aujourd'hui, il y avait peut-être deux raisons, mais ça peut être une autre raison. Il n'y a pas de souci pour lui, il est capable de donner ça. Islam, voilà, il est dans cette quête et dans cette poursuite du record de buts en équipe nationale. Bardad, alors lui, c'était une raison un peu particulière. Aujourd'hui, il a eu un enfant, donc il a demandé à la Wouldi, Fikhat al-Wouldi. Donc il ne peut pas refuser, vous comprendrez ça. Mais c'est un geste, ouais, vous avez dit, un geste de classe. Il n'y a pas de souci là-dessus, on n'a pas de... Alhamdoulilah, on a atteint une telle relation entre Binet, Home, relation Tahar, vraiment, et ils sont tous là pour s'aider les uns les autres, il n'y a pas de problème là-dessus. Par rapport à mes ambitions cette année, j'ai pas mal d'ambitions parce que j'ai pas mal de compétitions. Et ça va être de jouer, d'être régulier le plus souvent possible et de progresser un maximum, que ce soit en club ou en équipe nationale. On a des échéances très importantes. Et voilà, Inch'Allah, que je fasse au mieux, et je vais essayer de tout faire pour tout donner. Saïd, et on termine. Coach, juste pour terminer, vous avez déclaré tout à l'heure, vous m'avez répondu par rapport justement à la gestion du groupe, et notamment, vous avez l'embarras du choix actuellement pour ce qui est des joueurs. L'Iberk, en tout cas pour notre sélection, vous avez le choix. Quand je parle notamment du secteur offensif, on voit quasiment des joueurs
top player au niveau européen actuellement. Quand on a un Saïd Brahma, par exemple, qui réalisait un début de saison exceptionnel avec West Ham, peut-être il a marqué plus de points cette saison, il a pris ses aises en Première Ligue. Est-ce que c'est pas un problème de plus pour vous, mais vous dites que peut-être la concurrence est encore plus féroce et que ça va un petit peu pas chambouler vos plans, mais vous vous dites qu'il y a aussi des joueurs qui arrivent. Et par rapport au mercato aussi, on a vu que des joueurs comme Delors, par exemple, a quitté son club de Montpellier. Il y a eu quelques départs aussi, Ben Amri et tout. Est-ce que vous avez parlé avec les joueurs avant la fin de ce mercato d'été pour parler justement de cette campagne qui arrive des éliminatoires pour la Coupe du Monde et sur la nécessité d'avoir du temps de jeu et de briller avec leur club? Oui, on l'a dit même à la sortie du dernier match contre la Tunisie. On a pris le temps de se parler avant que tout le monde parte en vacances et de se séparer. Je leur ai dit qu'il y a un mercato qui allait s'ouvrir et que évidemment faut prendre les bonnes décisions, ne pas rester sans club, ne pas rester sans équipe et ne pas, parce qu'on allait avoir rapidement dès le mois de septembre des matchs importants. Donc l'idéal c'est quand on règle tout, que tout le monde soit en club, que tout le monde ait fait une préparation digne de ce nom, que tout le monde a démarré un championnat, qu'ils aient tous du temps de jeu. C'est pas le cas de tout le monde, l'essentiel du groupe était justement en club compétitif, plus ou moins. Chacun des niveaux plus ou moins différents. D'où un début de stratégie entre le lien entre le match d'aujourd'hui et le match du Burkina. Il avait son utilité aussi par rapport à ça, ce match d'aujourd'hui. Ensuite, moi, chambouler mes plans, j'aimerais bien être chamboulé comme ça à tous les postes. Chamboulez-moi, les gars, il n'y a pas de problème. Il y a deux joueurs, trois joueurs au même poste de top niveau et de qualité, top qualité, j'attends que ça. Ouais. Moi, c'est pas un souci pour moi, ça c'est vraiment un problème de riche, j'estime. Après, j'imagine que vous me parlez peut-être de gestion des joueurs et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Il y a des règles qui sont bien établies, il y a des matchs où on va en avoir, on a besoin de tout le monde. La concurrence saine, elle ne peut que pousser et améliorer l'équipe à partir du moment où tout est bien fait. Vous avez pris l'exemple de Saïd, j'ai eu une grosse discussion par rapport à lui. Après, quelque chose de très important, c'est je suis coach de l'équipe nationale. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les performances en équipe nationale. C'est vrai qu'il faut du temps de jeu. J'estime, par exemple, pour Saïd, puisque tu m'as parlé de Saïd, on pourrait prendre les statistiques, il a eu la possibilité, l'opportunité de jouer plusieurs fois et continuera à jouer. Je suis très très content de ce qu'il est en train de faire dans son club. Après, c'est l'équipe nationale. Dès qu'on a la possibilité de jouer en équipe nationale, il faut valider ce que tu fais en club. Tu es censé être dans la continuité de ce qui doit se faire en équipe nationale. Des fois ça l'est, des fois ça l'est pas. On a déjà vu dans le passé des joueurs qui étaient bons en club, très bons en club, et qui n'arrivaient peut-être pas, ou pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs, n'arrivaient pas à avoir les mêmes performances en équipe nationale. Ceux qui jouent pour l'instant et ceux qui sont là et ceux qui ont des fois détruit, c'est qu'ils ont juste validé leur match en équipe nationale. C'est ça qui m'intéresse, je suis sélectionneur national. Et même s'il y a un lien entre ton club et la sélection, in fine, c'est ce que tu fais en sélection qui m'intéresse. Et je sais que Saïd, de toute manière, c'est un joueur qui est pétri de qualité, aura encore du temps de jeu, aura la possibilité de se montrer. Et il sait, il attend ce petit déclic, ce petit truc pour pouvoir démontrer toutes ses qualités. On sait qu'il en a de grosses. Voilà. Merci, messieurs. Merci à vous.